Non. Aujourd'hui, c'est un jour qui ne ressemble pas aux autres. Tassadit, accompagné de ses petits-enfants, arrive par voiture dans le petit village d'Azouza, près de l'Arba' Natirat. Notre petit groupe entre maintenant dans une vieille maison inhabitée, devenue aujourd'hui un endroit historique et une fierté pour tous les Algériens, presque un lieu de pèlerinage. C'est la maison natale du Shahid Abban Ramdan. Abban Ramdan était responsable de l'information et membre du comité de coordination et d'exécution pendant la Révolution. Victime des purges internes, il a été assassiné au Maroc en décembre 1957 pour avoir refusé de reconnaître la prédominance des militaires. Le nom de ce symbole de la plus belle révolution au monde est étroitement associé au plus sacré des sacrés, censé représenter la nation algérienne une et indivisible, le drapeau national. En filmant cette séquence sur le vif, le réalisateur nous dira plus tard que la surprise a été totale au sein de son équipe. Cette petite femme qui a vécu les affres de la lutte de libération nationale, mais qui a hérité surtout de la sagesse et du combat juste de ses ancêtres, nous rappela le sacrifice algérien pour la liberté devant l'apparition du drapeau algérien. Le sacrifice de cet homme pour son pays et sa patrie a été entendu jusqu'aux profondeurs de la Kabylie au point de retentir dans la tête de Tassadit et de ses petits-enfants. Écoutez cette petite voix douce. C'est l'écho même à l'appel au sacrifice de nos shuhada. الله يرحم الشهداء الله يسجيهم ويرجزني خدمنا السر
استغفر الله الله دون محمد رسول الله أرخلنا غربحنا أميد القرآن اللي استعمر أميد القرآن وزيجه يكسفت ويتنا أنا حودي ثمورت الناغ لكني غيهوا أنا حودي ثمورت الناغ سوات مثلنا الله يبارك الله يبارك السجين لكن يوضا كوريم أبان رمضان لكن تعوض تبشير الخير تقوث مثل الناغ تعوض في اللون ونتسوي على الخير نقول ورثي تسوي على الجيرة ديكر اشفو تيارش المشطح اشفو تافيا قزن يعغينا فاقي وركوثة تتم ذي لكور فغرب ترنوم فهم الترنوم جثر الناغور محويرا جثر الناغور محويرا Tessadit a décidé, à l'occasion du tournage de ce film, et après une bonne excursion dans la maison natale de Abban Ramdan, de faire goûter à ses petits-enfants avant d'aller s'endormir, terkoucht. Ce sont de grandes feuilles de pâte cuite qu'elle découpe en petits morceaux qui ressemblent bien à la trida dans les régions de l'Est algérien. Avec du lait et suffisamment de beurre, le tout est mélangé puis distribué aux enfants. Ces derniers s'adonnent avec beaucoup d'appétit. Il se fait maintenant tard. Et après avoir fait les lits des enfants dans le coin le plus prisé de ces derniers, Tessadit les invite à y prendre place. Ces moments précieux dans la vie traditionnelle kabyle sont toujours accompagnés de contes que la femme dit. Tessadit a les siens que les enfants adorent. Le conte ici est la forme la plus connue de l'expression d'une certaine créativité berbère. Et comme disait le professeur Jean Servier, l'important est que les enfants s'endorment dans leur berceau ou contre le flanc chaud de leur mère, paisible, comme s'ils avaient le ventre plein.